Allez, allez, les enfants, le soleil s'est couché. C'est la fin du jour. Ne descendez pas dans la salle. Il est inutile de suivre l'exemple de Mélante et de quelques autres, qui, pour satisfaire la vanité de nos hôtes, ont trahi les lois de l'hospitalité. Allez. Euriclée. Euriclée. Tout à l'heure, le soleil, avant de disparaître dans la mer, a été voilé par les nuages. J'ai eu l'impression qu'une grande ombre noire qui avait la forme d'une voile allait le masquer pour l'effacer. Qu'est-ce que ça veut dire, Euriclée? Voilà des années que tu cherches à lire inutilement dans le vol des oiseaux, dans la couleur des nuages, dans le sang des sacrifices, leur tour d'Ulysse. Mais ne te tourmente donc pas toujours, Pénélope. Et comment pourrais-je faire autrement? Dès que le soleil commence à abandonner le ciel, qu'enfin la nuit descend sur nous silencieuse, mon tourment, mes angoisses deviennent plus âpres. Quelquefois, j'ai peur de succomber. Tu entends? Cette meute hurlante, ce sont mes prétendants. Il y a des années que chaque soir, ils envahissent le palais. C'est une meute de chiens affamés. Et tous les soirs, ils sont là, ils boivent, hurlent, toute la nuit. Qu'ont-ils donc, Euriclée? C'est Phémios qui chante pour eux. Depuis plus de 10 longues années, les Grecs assiégeaient Troie. Depuis plus de 10 ans, la ville résistait. Lorsqu'un jour, les Grecs, on ne sait pourquoi, se lassèrent et abandonnèrent un soir leur retranchement. Et sur le camp déserté, il ne resta plus qu'un immense cheval de bois. Oh, Troyens, pourquoi l'avoir fait entrer dans vos murs? Oh, Troyens, ne saviez-vous donc pas que dans ce ventre sans entrailles, Ulysse, l'astucieuse Ulysse, préparait votre défaite? Ne saviez-vous pas, ô Troyens en liesse, qui ne songiez plus qu'à fêter la victoire, qu'au cours de cette nuit, Ulysse sortirait du ventre de ce cheval, et qu'à la faveur des ténèbres, il ouvrirait toute grande aux Grecs la porte sacrée? Les dieux avaient abandonné Troie à son destin. Dans les murs de la citadelle retentirent les cris du massacre, les cris des agonisants. Les soldats de Troie, encore ivres de leur victoire, furent sans défense. Et grand fut le carnage. Et plus grande encore la superbe d'Ulysse. Il alla jusqu'au temple du dieu Neptune, roi de la mer et protecteur de Troie, pour en abattre la statue. Alors, Cassandre le maudit en ces termes. Que maudits soient les Grecs qui offensent les dieux. Malédiction sur vous, ô Grecs profanateurs. Sois 3 fois maudit, Ulysse, que la colère de Neptune descende sur toi. Tu ne reverras plus ta patrie. Tu ne vivras jamais en paix et tu mourras englouti dans la profondeur. Tais-toi! Mais tais-toi, Phémios. La reine. Regardez, c'est Pénélope. La reine. Pénélope. Il y a des mois que tu ne descends plus ici. Entonne un autre chant. N'est-il pas trop triste pour moi de réentendre ces souvenirs de lointaines mémoires? Mais ils nous intéressent, Pénélope. Nous n'avons pas tes raisons. Faites silence. Respectez au moins sa douleur. Il vaudrait mieux qu'elle pleure un mort. N'ayant plus d'espoir, peut-être se résignerait-elle. Et quand te décideras-tu à choisir l'un de nous? Nul ne sait, toi, Ulysse. Nul encore ne peut chanter sa mort, car nul n'a vu son corps se consumer ou pourrir sur le sol. Vois-tu, Pénélope, les récits fantaisistes d'un Aède te troublent. Au fond de ton être, le doute demeure. Comme en nous, la certitude. Où est Ulysse? En quelle terre est-il retenu prisonnier? Ne nous as-tu pas promis de fixer ton choix sur l'un de nous, le jour où la toile que tu tisses sera terminée? Oui. Mais si le nombre des jours augmente, il me semble que la toile que tu as commencée il y a des années est au même point. Quand sera-t-elle achevée? Quand je songe à Ulysse, je ne peux plus continuer l'ouvrage commencé. Car la douleur et les larmes me voilent les yeux. Alors mes gestes deviennent plus lents. Ne ferais-tu pas mieux de fixer dès maintenant la date? Non, aucun de vous ici ne vaut mon père. Nous sommes des hommes comme lui.
N'avons-nous pas aussi sa force d'âme et aussi un cœur noble? Vous n'êtes tous ici que des affamés insatiables. Ne pensez-vous pas à ce que vous dévorez chaque jour, presque la totalité de nos richesses, sans que vous soyez une seule fois repu? Cessez de dilapider les réserves d'Ulysse. Allez ailleurs et cessez de souiller cette salle avec vos orgies. De quel droit juges-tu nos actes, vieillard? Il dit la vérité. Que faites-vous dans cette maison? C'est vous qui troublez la paix de mon cœur. Pour avoir osé m'arracher une promesse que j'aurais dû vous refuser. Il ne s'agit pas cette fois d'une promesse, mais il s'agit de donner un roi au royaume d'Ithaque. C'est vrai. Aucun de vous ne mérite de régner. Alors tu souhaites peut-être devoir régner une ombre, un fantôme. Sais-tu ce que ton peuple pense d'une telle folie, Pénélope? Les rapports entre moi et mon peuple ne vous regardent pas. Vous n'êtes que des étrangers pour lui en ces lieux. Et je règne encore sur son île. Et le peuple d'Ithaque aime encore sa reine. Il partage sa douleur. Et respecte aussi ses raisons. Tu es par trop cruel avec ta beauté, Pénélope. Tu es encore bien trop jeune pour dormir avec des souvenirs. Ulysse est vivant. Et quand il sera de retour, ce sera vous qui, ce jour-là, serez forcé de répondre de vos affronts et de vos offenses. Tiens, bois ce vin, Phémios. Éclaircis-toi la voix et reprends ton chant. Recommence-le depuis l'apparition de Cassandre. Je vais entendre une seconde fois ces malédictions. Verse-moi un vin, Arvelante. Vous n'importe quoi. Non, rien pour toi. Pourquoi? Le Cante et Mélante, et vous toutes, allez-vous-en. Vous êtes la honte de cette maison. Mais qu'avez-vous donc à la place du cœur? Pourtant, vous avez été élevé ici, comme toutes vos compagnes. De quel droit oses-tu commander? Je suis le fils d'Ulysse. Tu n'assures plus rien dans la tête. Il me suffirait d'avoir des hommes en armes pour vous chasser de ces lieux. Bien, charmant enfant. Bien combattre contre une moitié d'hommes. Écartez-vous. Saute, saute, garçon. Attention, Télémaque. Saute. Cours, Télémaque! Sauve-toi! Mais sauve-toi! Il faudra bien, Pénélope, que tu achèves un jour cette tapisserie, et il te faudra alors choisir un époux parmi les prétendants. Non, aucun d'entre eux ne peut être digne d'être comparé à Ulysse. Et puis, qu'arriverait-il à mon fils si j'épousais un de ces misérables? Il le tuerait le jour même de mes noces. Il n'oserait pas. Mais qu'y a-t-il, Télémaque? Qu'est-ce que tu as? Je veux quitter cette maison. T'en aller, où iras-tu? Il faut que je parte. Je ne saurais supporter davantage les insultes de ces malfaisants. Je vais à la recherche de mon père. Alors que deviendrai-je si tu pars? Il faut en finir, mère. J'ai besoin d'avoir une certitude. J'irai chez les vieux compagnons d'Ulysse, à Pylos, chez le roi Nestor, à Sparte, chez Ménélas. Non, je t'en prie, il ne faut pas que je reste seule, Télémaque. Crois-tu que mon père soit vivant? Oui, Télémaque. Dis-moi la vérité, mère. Toi aussi, tu le crois? Ne me quitte pas. Ne pars pas. Reste auprès de moi. Il ne faut pas me laisser. Si tu m'abandonnes, toi aussi, que me restera-t-il? C'est ta présence et ta voix qui, depuis plus de 20 ans, remplit ma douloureuse solitude. Sur ton visage, dans ton regard, j'ai l'impression de retrouver la voix et le regard d'Ulysse. Et je reprends la force que je voyais alors m'abandonner, quitter mon être. Reste avec moi, Télémaque. Si tu veux que je résiste encore, reste avec moi. Tu auras la force de leur résister, si tu crois à son retour. Et que m'importe ce que je crois, Ulysse est loin de nous. La seule chose qui compte, c'est cette toile que je tisse tout le jour et que je défais aux lueurs des torches. C'est grâce à cette ruse que j'ai réussi à éterniser leur attente et que j'attends en toute sérénité. Ulysse.
vois-tu? Oh, c'est un homme. Phédra, il y a un mort ici. Où donc? Derrière le rocher. Attends, attends, Nausicaa. Ne touche pas. Non. Il est vivant. Vivant. Il respire. Il est vivant. Où suis-je? Chez le roi Alcinous. Je suis sa fille. Sur quelle terre règne ce roi? Sur l'île de Phéacie. La connais-tu? La voisine de l'île d'Ithac. Ithac. Comment tu ne connais pas Ithac? Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Mon nom. Oh, je ne sais plus. Cherche à te souvenir. Est-ce que tu te rappelles le nom de ta patrie? Je me souviens de rien. Vite, Cléo, Ariane, appelez Calops. Il faut l'emmener tout de suite chez mon père. Attention, Nausicaa. Mais peut-être est-ce un dieu? Ne dit-on pas que les dieux souvent prennent une forme humaine? J'espère que non. Je voudrais qu'il ne soit qu'un homme. Et alors, tu connais, Alcinous, toute mon habileté dans le mélange des herbes et la préparation des filtres. Car mes remèdes contre l'hydropisie sont connus jusqu'aux Indes. La nature n'a jamais eu de secret pour moi. J'ai réussi à guérir son corps, mais pour son esprit, sans le secours d'un dieu. Tu lui as enlevé du sang? Esculape dit que la saignée n'est pas un remède. C'est le seul moyen de prouver que l'on connaît la médecine pour le malade. Comment peut-il arriver que l'on perde le souvenir de tout? Il y a deux possibilités. Ou les dieux lui ont donné l'oubli, ou peut-être est-ce lui qui désire effacer de son souvenir certains péchés, certains forfaits. Qui peut le savoir? Je suis pour la seconde hypothèse. Père, c'est lui. Puisse ton royaume s'accroître en puissance et son roi en sagesse. Mon médecin dit que la mémoire t'a abandonné. Le passé est loin. Mais tu sais saluer un roi. Ton allure fière et noble me ferait croire que tu as été accueilli par d'autres rois avant moi. Ne peux-tu te souvenir? Je ne me rappelle rien. Non, rien. C'est étrange. Qui que tu sois, tu seras mon hôte. Qu'on donne les ordres pour le banquet, pour les danses et pour les jeux. Beaucoup de points de cracos sur la tête, en plein milieu de la cervelle. Voilà qui risque de lui rendre la mémoire. Ah,
qu'il connaît la lutte. Peut-être était-ce un lutteur. Diomède pense que c'était un soldat. Les os un peu durs, hein? Je t'avoue qu'en connaisseur, je les apprécie. Oh, pardon. Oui, Nausicaa. Oui. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Parce que je vois la femme qui est en train de prendre la place de ma petite fille. Un héros, hein? Mais oui, mais qui les a connus, les héros? Vous? Agamemnon, Ajax, Ulysse. En vérité, n'étaient que des hommes. Ulysse avait la main grande comme un battoir. Je l'ai vu un jour briser l'échine d'un bœuf avec son poing. Mais bien sûr, il n'est pas trop mal. Mais pour oser le comparer à un héros, c'est un passereau sous l'aile d'un aigle. Prends cette éponge. Voilà le cadeau que t'offre le roi Alcinous pour ta victoire. Remercie le roi de sa délicatesse. Et voici le mien. C'est un onguent rare. D'une agréable senteur, tu vois. Oui, le jasmin et la myrrhe. Il est fait avec une formule secrète, magique. Il me vient d'une sorcière qui reste sur la colline. Elle m'a dit qu'en une seule nuit, il fait guérir toutes les blessures. Et qu'en l'utilisant, on retrouve la jeunesse. La jeunesse? Verse-moi un peu. J'en userai de pleines amphores. La jeunesse. Est-ce déjà un bras d'enfant? Tu es le plus jeune de toute la Phéacie. Pour moi, tu as connu le monde le jour où je t'ai vu, sur la plage. Souviens-toi qu'en ouvrant les yeux, c'est moi que tu as regardé. Je te nommerai Sthénos, le fort, et tu seras chez moi le bienvenu. Qu'as-tu? Qu'as-tu donc? J'ignore ce que j'ai. J'ai entendu subitement un nom, une voix. N'est-ce pas le mien? Est-ce Nausicaa? Nausicaa? Peut-être bien. Eurimac 48. Bravo, bravo. Cette fois, nul ne peut contester ma victoire. Enfin, il faudra bien qu'elle veuille en fixer le jour. Sa ruse découverte, elle le fixera bientôt, forcément. Cette histoire de tissage est des plus drôles. Tu épousas Mélanthé par reconnaissance. Et j'épouserai Pénélope. Lancez. Que jouez-vous? Il joue la dot de Pénélope. La dot de Pénélope si elle épouse l'un de vous deux. Certes. Père, tu vois, j'ai gagné.
Il me reste encore les écuries et la moitié des harnachements. Je peux avoir ma revanche. Ah, cette fois, il est trop tard. Oh, Pénélope, j'ai perdu toute ta dot, il n'en reste rien. Et si c'est moi qui partage ta couche, tu auras un amoureux désintéressé. Espionne. Sois maudite. Espionne. Espionne. Mais assez. Et maintenant, va-t'en. Va-t'en pour toujours de cette maison, Mélante. Quelle autre ruse, cette fois, saura encore prolonger leur attente. Il faut te décider. Leur résister plus longtemps peut être dangereux. Ils nous extermineraient tous. Tu as donc peur de mourir? Je suis un vieil homme. Je pense surtout à ton salut et à sauver notre malheureuse Ithaque. Assez, mentor, assez. Sa rage est juste, même si elle est inutile. En voilà un autre. Ils sont tous comme les mouches sur le miel. Le connais-tu? Je ne le vois pas bien. C'est un bon orige, il conduit bien ses bêtes. Antinous de Céphalonie, le fils de Molus. Quel misérable. Il n'y a plus de place pour lui. Nous sommes trop nombreux pour un seul lit. Occupe-toi de mes chevaux. Que viens-tu faire ici, Antinous? Voir Pénélope? Aucun de nous n'a jamais manqué de respect à Pénélope, au point d'aller la saluer chez elle. Je m'en réjouis. Je serai le premier. Où vas-tu? Laisse-moi passer. Qui es-tu? Réponds-moi, je suis Télémaque, le fils d'Ulysse. Mais calme-toi, Télémaque. C'est ton ami que je viens. Salut, Pénélope. Tu es d'une beauté éblouissante. Des poètes, tu dois être la muse. Qui es-tu? Je m'appelle Antinous. Je viens de l'île de Céphalonie. Je connais la ruse que ta fidélité t'a inspirée, Pénélope. Que cherches-tu dans cette maison? Toi. Mais je viens dans un autre but que celui de gaspiller ta fortune ainsi que les autres le font. Ou de vivre sous ton toit d'une façon ignominieuse. Si j'ai traversé aussitôt les mers, c'est que je souhaitais voir tes yeux, Pénélope. Sans vouloir te rebeller, il faut suivre ton destin. Comment oses-tu me dire de pareilles choses? Parce que j'ai deviné toutes tes angoisses et toute ta détresse. Il a fallu que tu sois veuve avant même d'avoir eu le temps d'être femme. C'est le spectre d'Ulysse qui hante tes longues nuits. Il te faut un homme auprès de toi. Un homme pour chasser tous tes prétendants. Et qui te ferait aimer la vie, Pénélope. Mais cesse ce discours. Tu peux rester ici comme les autres, si c'est cela que tu veux. Je ne suis pas venu dans ce but. Le ciel est un toit suffisant pour moi. Je suis venu pour que tu me donnes une date et pour te donner le courage de te délivrer de ce silence qui t'étouffe. Laisse-moi encore un jour pour te répondre. Pourquoi prolonger cette attente d'un jour? Décide-toi, Pénélope. Il le faut. Quand la lune au ciel reviendra, auront lieu les jeux d'Apollon. Télémaque! Télémaque! Cours à sa recherche, Euryclée, raisonne-le. Éloigne-toi, va-t'en. Il faut t'éloigner. Ta longue attente est finie, Pénélope. Va-t'en, te dis-je. Va-t'en. Écoute-moi, Télémaque. Quoi, que veux-tu? Tu as entendu les paroles de cet homme. Tu as entendu alors que ma mère a fixé le jour de ses noces. Et c'est ma mère qui aura trahi Ulysse. Ne parle pas ainsi. Non, jamais je ne me résignerai. Ne peut-on faire quelque chose, Euryclée? Et quoi? Je ne suis moi qu'une vieille femme et toi, tu es trop jeune. Trouve le moyen de retarder ce mariage. Cherchez quelqu'un qui croit au retour d'Ulysse. Et qui? Une autre femme, un autre garçon comme toi et moi? L'arc d'Ulysse. Cet arc que seul il savait tendre. Quel âge avait mon père quand il a commencé à se servir de cet arc? Les habitués, on le voit, à ce travail. C'est curieux comme les mains d'un homme se rappellent tous leurs gestes, alors que son esprit n'est qu'un sombre chaos.
As-tu l'intention aujourd'hui de l'essayer au jeu? Je l'ignore encore. Une autre victoire serait un bien beau cadeau pour ton épouse. Avant d'avoir 4 ans, Nausicaa avait annoncé à son père qu'elle voulait épouser un grand guerrier. Un guerrier. Si tu en avais été un, il n'y aurait pas de plus beau cadeau de noces pour elle que d'entendre parler du nombre de tes exploits. Mon nom. Mais qui suis-je? Jour et nuit, je cherche à écarter le voile qui assombrit mes souvenirs. Dans un cas comme le tien, les remèdes ne sont guère efficaces. Laisse-moi, Diomède. Comme tu veux. Comme tu veux. C'est que la solitude, à entendre Esculape, peut être selon les cas une de nos meilleures médecines. Ou la plus mauvaise. Crois-tu qu'avec cette robe, je lui plairais, mère? Ne te semble-t-elle pas trop simple? Non, mais non, pas du tout. C'est ta ravissante jeunesse qu'il aime. Non, crois-moi, ce ne sont pas tes atours qui l'ont séduit. Quelle belle journée pour prendre un époux. J'espère que ton bonheur durera autant que le nôtre. Mais comment pourrait-il ne pas durer autant? Les jeunes filles, généralement, ne connaissent pas l'homme avec lequel elles se marient. Mais il est rare qu'une jeune fille épouse un homme qui s'ignore soi-même. Mais qu'est-ce que je devrais connaître? Quand l'arbre est beau, ses fruits sont doux. Qu'importe ses racines. Oh, mais comme je suis laide ce matin. Si j'allais lui déplaire, songe que si au moment même d'aller à l'hôtel, je lisais une ombre de reproche dans ses yeux, je ne pourrais le supporter. Non, il faut qu'il me voie. Nausicaa, où vas-tu? Voyons, tu ne peux pas. Père, c'est un usage trop vieux. C'est stupide de tenir les amoureux séparés le jour de leurs noces. Est-ce la peine d'être roi si tu n'as pas le droit de changer les coutumes au moins une fois? Tu pourrais le faire cette fois pour ta fille. Oh, je n'irai pas toute seule. Clésia, à t'aider. Venez avec moi. J'y consens, mais accompagnez-la. Attention!
chasse, Ulysse! Nous viendrons avec de l'eau et des provisions. Préparez le feu pour offrir un sacrifice à Athéna. Silence. Hop ! Allez, vite ! Ne courez pas après comme des fous. À quoi sert de courir ? Visez juste ! Ne le laissez pas s'en aller ! Ulysse ! Viens ici ! Crois-tu que c'est l'empreinte d'un pied ? Un autre, là. Ce sont les empreintes d'un dieu. Ce sont les empreintes d'un dieu. Il y a bien des hommes qui ont les pieds de cette taille. Mais ne restons pas ici, Ulysse. Allons-nous en retournant au bateau. On voit que la peur te fait oublier ton estomac. Hein? Allez, cette fois, il faut que nous revenions avec des victuailles si on veut que les autres mangent. Allons, marchons. C'est du raisin, Ulysse! Regarde ces belles grappes! Des moutons! Chez vous! Où sont-ils? Par là, courons! Mais où sommes-nous? C'est une grotte! M'en tirer du lait. Les moutons. Alors, ne restons pas longtemps ici. Oh, les belles brebis. Regardez, c'est probable. Elle va le plus gros. Attrape celle-là, tiens. Mais ça doit être la grotte d'un géant. Regarde, Ulysse. Excellent. Hé, venez avec moi. Et où sommes-nous, Ulysse? Tout est prêt. Ce mouton est-il rôti? Je n'aime pas cet endroit, Ulysse. Souviens-toi des empreintes. Ah, voilà, assez. Regarde ce fromage, comme il est gros. Fais, donne-moi la lance. Tiens-le bien. Faisons un peu de vin. C'est meilleur que le lait. Bien sûr. Mais il n'y a pas de festin sans vin. Emportons tout ce que nous pouvons. Crois-moi, Ulysse, il faut partir d'ici le plus vite possible. Songe avant tout à ton estomac, soigne-le. Mais crois-moi... Bien. Hé, hey, apporte-moi du bois. Retourne-le, vite. C'est un véritable festin de roue. On sera plein comme des barils. Ah oui. Allez, tirez. Et tirez plus fort. Restez-vous. Allez, avancez. Allez. Mais faites attention. N'allez pas tout manger. Tiens-le bien, tiens-le. Faut en garder pour les porter à nos compagnons. Aussi. Et dépêchez-vous. Herilock, pense à emporter de l'eau. Pour nous, marins, l'eau est plus précieuse que le vin. Hé, vite, vite. Qu'est-ce que c'est? On répond oui. Qu'est-ce que c'est que ces voleurs? Ils nous traitent de voleurs. Nous, les Grecs, qui rentrons après avoir pillé Troie. Oh, ben oui. Bienvenue à vous. J'ose souhaiter que tu n'oublieras pas les lois de l'hospitalité.
les lois de Zeus qui protègent les voyageurs. Que m'importe la loi de ce dieu? Je suis Polyphème, fils de Neptune. Le fils de Neptune, nous sommes perdus! Comme ils sont coriaces, ces Grecs. Que leur chair est fade. Non, Ulysse, non! Ulysse, ne t'approche pas! Je désire que tu me goûtes ceci. Comme ça, nous serons mangeables. Qu'est-ce que c'est? Du vin. Du vin? On dirait du sang. C'en est. Oui? N'est-ce pas le sang de la vigne? Pourquoi me l'offres-tu? Je veux te plaire et te séduire. Peut-être est-ce pour te rappeler les lois de l'hospitalité que tu nous laisses sortir. On verra après. Donne-moi un peu pour voir. Oh, il est bon, oui. Dis donc. Avec quoi tu as fait ce sang? Les grappes. Les grappes? Oh, tu veux dire ces grains qui rougissent au soleil? Ça réchauffe le ventre, verse-moi encore. Il n'y en a plus. Tu n'en as plus? Je veux en boire encore. Nous irons t'en cueillir quelques grappes, ne bouge pas. Polythée, Dionès, allons dehors. On aura vite fait de te remplir tes outres avec ce vin. Fourbe, vous alliez vous en aller. Attendez-moi sagement, je ne serai pas long. Je vais le cueillir moi-même. Ne bougez pas. Soyez tranquille. Je ne serai pas long. Il a éventé notre ruse et je le croyais fou. Mais 100 hommes ne parviendraient pas à bouger ce rocher. Et alors? Comme pris au piège. Il nous tuera tous. Je te l'avais bien dit. Nous sommes restés ici trop longtemps. Nous n'en sortirons plus. Mais que va-t-on devenir? Aidez-moi, portez cette massue là-bas. Allez, dépêchez-vous, il peut revenir. Doucement. Doucement. Allez, avancez. Avancez. Doucement. Posons-le ici. Pressez-le contre le mur. C'est ça, contre le mur, oui. Doucement. Comme ça. Polythée, aide-moi à le tailler. Mais pourquoi? Mais que fais-tu? Non, donnez-moi une hache. Mais pourquoi faire? Pour essayer de sortir de cet enfer. Et tu penses l'assommer? Non. Voyons, tu sais bien que lui seul peut mouvoir ce rocher. Une merveilleuse idée, vite. Ne traînez pas, va allumer un bon feu par là. Allez, vous autres, aidez-le! Reste-toi, Polythée. J'entends son pas. Vite, cachez tout ça. Enlevez-le du chemin! Attention, il arrive. Méfie-toi, n'avance plus. Il y a de quoi en faire. Est-ce que je vous fais peur? Je vais m'éloigner un peu de vous. Je vais dans ce coin. Polythée, viens par ici. Il n'y a plus qu'à lui faire son vin. Il faut s'y mettre, il n'y a pas d'autre moyen. Mmh.
n'ayez pas peur. Presse-toi, je veux boire. Encore une autre. Du vin pour Polyphème, fils de Neptune. Encore. Ah, il est fameux. Allez, aide du vin pour le fils de Neptune. Foulez le raisin pour le fils de Neptune. Allez, foulez. Allez, vite. Allez, vite. Allons. Voici ton vin. Encore du vin. Ah, du vin pour Polyphème, le fils de Neptune. 'Remerciements, grâce à toi, je sais ce qu'il y a dans ces petits grains rouges. Par reconnaissance, je te mangerai le dernier. Alors, est-ce que tu préféreras me manger rôti, bouilli, épicé ou fade? Tu seras noyé. Oui, noyé dans le fleuve de feu. Tu m'as fait couler dans la gorge. Misérable. Oh, 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 oh.
racontera à danser dans ta caverne. C'est quoi, Ulysse? Il va apprendre où nous sommes. Silence, il doit savoir qui je suis. Laisse-moi parler. Qui est le maître en ces lieux? Neptune ou Ulysse? Le dieu avec son trident ou l'homme avec son vin? Usidon, géant, tu as été joué par un tonnantre. Continue à jeter dans la mer tous les rochers. Allons, jette-les tous. Ah, jette-en d'autres. Et si ton père cherche à savoir qui t'a ôté cet œil unique, réponds-lui que c'est Ulysse. Ulysse, le destructeur de villes, le destructeur de Troie. Souviens-toi d'Ulysse, le fils de Laërte et le roi de l'île d'Ithaque. À vos rames, matelots, hissez la voile. Dépêchez-vous, sortons de là. Attention à la barre. Donne-moi un peu. Tiens, prends. Hé, hey, vous avez laissé brûler l'agneau. Oh. Donne-moi de l'eau. Oui, voilà. Tiens. Tiens. Hé, hey, à mon tour. Il n'y a pas de vent, mais nous avons un bon courant. Maintenant, tu peux être content. Tu ne l'es pas, toi? Est-ce que je sais? Je ne suis jamais satisfait, moi. Un jour, je regrette la famille. Je voudrais rentrer à la maison et je deviens triste et sombre. En moi, il y a un autre qui attend sa part et qui réclame l'aventure, les voyages, la mer et aussi ses tempêtes. Il a tellement soif d'inconnu, tout l'attire, les îles, les démons, les géants. Oui, Doc. Il y a deux hommes en moi dont l'un est entraîné par une force inconnue. Oui, je te comprends. Et c'est pour ça que je te suis, quoique souvent je tremble de peur. Et souvent tremblé aussi. Ah, quelle étrange odeur il y a dans l'air. Oui, en effet. On dirait que sur les flots, il y a des centaines de fleurs fanées. Quel silence! Je n'entends même plus le bruit des rames. Regarde! Le rocher des sirènes. Les sirènes. Si nous écoutons leur chant, nous sommes perdus. Elles nous attireront sur leur rocher pour nous détruire. Fuyons, Ulysse, fuyons! Ne restons pas là, Ulysse. Ne perdons pas de temps. Vite, de la cire. Tous les hommes doivent en mettre. On les empêche de regarder de tous les côtés. Ils doivent baisser les yeux. Ils défendent leur existence. On leur dise que c'est une question de vie ou de mort. Allez. Surtout, n'ayez pas peur. Regardez par terre. Et ramez. Mettez ça dans les oreilles. Ramez. Allez, ramez vite. Bonité. Qu'est-ce que tu veux? Attache-moi au mât. Quoi? N'écoute pas mes paroles, quelles qu'elles soient, ni mes ordres. N'obéissez pas. Mais que veux-tu faire? Je veux écouter leur chant. Tu deviens fou. Attache-moi au mât. Oh, tant pis pour toi, tu l'auras voulu. Servant. Dépêche-toi. Mets de la cire dans tes oreilles. Oh, homme! Mettez ça dans les oreilles. Serre. Serre, serre plus fort, serre bien. Regardez devant vous. Vers le sol. Regardez devant vous et ramez, ramez. Mais qu'est-ce que tu fais? J'exécute ces ordres. Pourquoi? Je veux entendre leur chant. Mais tu es fou, Ulysse! Mets ça dans les oreilles! Vite, mets ça dans les oreilles! Laisse-moi les entendre! Car les ongles bougent dans tes oreilles! Donne-moi aussi! Connais-tu ma voix? Pénélope. Oui, c'est moi, Pénélope, ta fidèle épouse.
ton épouse qui t'attend depuis des années. Ton voyage est terminé. Te voilà revenu à Ithaque. Ithaque. Ne continuez plus de ramer. Je t'ai attendu des nuits et des jours. N'es-tu pas fatigué de parcourir les mers? Viens me rejoindre. Je t'attends, Ulysse. Tu es de retour à Ithaque. Nous sommes arrivés, arrêtez. Arrête-toi, Ulysse. Nous sommes arrivés à Ithaque. Nous sommes de retour. Père, père, m'entends-tu? Télémaque. Lorsque tu m'as quitté, je n'étais qu'un jeune enfant. Aujourd'hui, je suis un homme et je t'attends, père. Reviens, je t'attends. Télémaque. Le royaume t'attend. Ton peuple te réclame. Reviens, père. Détachez-moi. Père, reviens. Détachez-moi. J'abandonne plus. Ulysse, Ulysse. Détachez-moi, monstre. Je veux être détaché, ma femme et mon fils m'attendent. Restez, restez avec moi. Restez avec moi. On n'entend plus rien. Enlevez la cire de vos oreilles. C'est fini. C'est fini. Ulysse. Qu'as-tu entendu, Ulysse? Qu'as-tu entendu? Les dieux m'en veulent. Ils sont sans pitié, Eurylock. Leurs ruses sont inhumaines. Reverrai-je seulement Ithaque? Il se passe de drôles de choses. Cette sacrée barre nous entraîne à gauche. Hop! 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 Il y a quelque chose d'étrange. Le vent souffle, mais la voile ne le prend pas. Le navire est comme immobilisé. Peut-être bien le courant. Mais il n'y a pas de courant. Nous ramons vers le large, mais nous sommes attirés vers l'île par une force inconnue. Oh! Je n'ai jamais vu une chose pareille. Je ne réussis plus à gouverner le navire. Descendez la voile. Nous allons à terre. Débarquer? Je t'en supplie, Ulysse. Tu ne sais pas ce qui peut nous attendre derrière ces rochers. Non, mais j'aimerais le savoir, justement. Descendez la voile! De les appeler, ils sont chez moi déjà. Qui es-tu? Circé. Circé la sorcière. Dis plutôt la magicienne ou la fille du soleil. Ainsi c'était toi. Pourquoi as-tu interrompu notre course? J'étais seule.
Ah, celle. Je voudrais savoir dans quel but. Celui de t'aider. De ravitailler aussi ton navire. Et puis ensuite, t'envoyer un vent favorable pour hâter ton retour. Si tu fais cela, tu dois avoir un but. Depuis des années et des années, des hommes sont attirés par cette île. Des hommes réputés pour leur beauté et pour leur héroïsme. Chaque fois, j'ai senti augmenter ma solitude quand ils ont repris la mer. Et puis un jour, le vent s'est chargé de porter jusqu'à moi ta renommée. Et l'écho a répété chacun de tes exploits. Alors j'ai attiré près de ces rochers ton navire. Et pour la première fois, l'écho et le vent n'ont pas exagéré. Qu'as-tu ? Que c'est étrange. Tu as le même visage et les mêmes yeux que ceux de Pénélope. Que c'est étrange. Pourquoi est-ce étrange ? La différence entre une femme et une autre n'est due qu'à l'imagination des hommes. Non. Cette différence existe. Pénélope aurait refusé qu'un étranger la tienne dans ses bras. Et si cet étranger ressemblait à Ulysse ? Est-ce que tu sais où est ta maîtresse? Oui, Circé. Elles sont sourdes et muettes. Voilà des qualités admirables pour des servantes. Tu me cherchais, Ulysse? Tu étais là? On ne voit rien ici. Pourquoi cette obscurité? Pour protéger tes songes. Je déteste être dans le noir. Sur mon bateau, je dors toujours sur le pont. Pour être réveillé par les premiers rayons du soleil. Éloignez-vous. Le soleil est déjà haut. Tu as dormi très longtemps. Il y a bien des années que je n'avais dormi dans un lit confortable. Où sont mes compagnons? À côté, à deux pas d'ici. Dis qu'on les appelle. Plus tard. Il y a tant de choses qu'il faut que tu connaisses dans cette île. Je n'ai pas le temps. Je dois poursuivre ma route. Polythée! Dionès! Eurylock! Elpenor! Eurylock! Qu'est-ce que font ces pourceaux ici? Oust, dehors! Allons! Sortez donc, sale bête! Pour la seconde fois, je demande... Où sont mes hommes? Tu les as chassés à coups de pied dans le derrière. Sorcière. Oui, tu as profité que je dormais pour changer ces héros en pourceaux. Cela a été plus facile que tu ne le crois. Avais-tu l'intention de me mettre avec eux? C'eût été difficile, je suis coriace. Je sais que tu hais les hommes. Pourquoi ne me haïrais-tu pas? Tu vas me rendre mes compagnons. Tu ne crois pas que je l'ai fait sans raison? C'était pour t'éloigner de ton passé. Pour que tu sois seul. Comme je suis seul. Rends-moi mes hommes, sorcière, démon, ensorceleuse, révèle ton secret. Il est inutile de te le refuser. Je ne tiens pas à avoir en toi un ennemi. Reprenez votre forme humaine.
On t'a cherché partout. Mais où étais-tu donc, Elise? Que ressentez-vous? Êtes-vous bien? Mais oui. Pourquoi? Mais on a fort bien mangé. On a bien dormi. Seulement, j'ai mal ici, comme si j'avais reçu des coups. Alors tant mieux. Remontez à bord. Nous levons l'ancre aussitôt. Tu es bien pressé de partir. On portera sur ton navire des provisions et mes cadeaux. Ah, oui. Merci. Préparez tout pour l'appareillage. Nous y allons. Nous n'avons pas de temps à perdre. Allez. Adieu, belle Circé. Je te suis reconnaissante d'avoir débarqué dans cette île et d'être restée toute la nuit. Je dois partir. Oui, oui. Je sais, alors adieu. Nous pourrons lever l'ancre bien avant que le soleil ne disparaisse. Si le vent consent à s'élever, dans mon île, il ne souffle jamais avant la tombée du jour. Pas avant le coucher du soleil? Il est bien préférable d'attendre que le vent s'élève plutôt que de faire ramer mes hommes durant des heures. Ce sont de fidèles et braves garçons. Je les aime et je les considère aussi. Que d'excellentes raisons. Bonjour, mes amis. On a eu le temps de se reposer. Dites-moi, on vous a donné des flacons de vin. Les avez-vous reçus? Nous sommes fatigués de manger, de boire et de vivre sans but dans cette île étrange. Nous avons une maison, une famille qui nous attend à Ithac. Je sais, oui, je sais, Urilok. Je suis de cet avis. Aussi, je crois que vous devriez commencer à peindre d'une autre couleur le bateau. Nous voulons partir maintenant. Tu pourrais peut-être penser qu'on n'en peut plus. On a mis un nouveau mât, de nouvelles voiles. Le bateau est plein de provisions. Partons sans retard. Aurais-tu oublié, Urilok, que je suis votre capitaine? Non. Mais alors viens avec nous. Déjà? Si vite? Comment si vite? Après 6 mois? 6 mois? Es-tu bien sûr? 6 mois, ils ont passé comme une nuit d'été. Et alors, tu te décides? Alors oui, il le faut. Magnifique tissu. C'est moi qui en ai choisi la couleur. Je te la donne pour te protéger. Elle me va bien. Regarde, Urilok. Je vais la garder pour que nous essayions d'en faire tisser une autre à Ithac. Ulysse, nous partons. Sans toi. Oui, oui. Un moment. Pas encore. Neptune a juré de faire couler le navire d'Ulysse. À la nuit, il déchaînera une terrible tempête. Rends-toi compte qu'elle ne te dit pas la vérité. Elle t'ensorcelle. Si tu l'écoutes, nous ne sortirons jamais d'ici. Ah, mais en voilà assez, Urilok. J'ordonne qu'on repeigne le bateau. Ensuite, nous quitterons l'île. Puissent les dieux te donner la force nécessaire pour échapper à l'envoûtement qui t'aveugle. Adieu, Ulysse. Comment oseraient-ils partir sans moi? Quand je m'absente, ils sont perdus. On croirait voir des poussins sans leur mère. Ils attendront. Où est le bateau? Où sont-ils? Regarde. Le bateau sombre. Mes hommes. Engloutis dans les flots. Morts.
Ils l'ont voulu. Ils allaient à la mort. C'étaient mes amis. Et je les ai abandonnés. Non, ce sont eux qui t'ont abandonné. À cause de la promesse que je n'ai pas tenue. Diodès. Polydée. Euryloch. Ne les pleure donc pas. Ils ne valaient pas grand-chose. Ils n'étaient que de petits hommes. Et c'est pour cela que je les aimais. Tant que tu vivras, ils ne mourront pas tout à fait. Viens, rentrons à présent. Crois-tu vraiment que je te laisserai partir? Tu dois savoir qu'il y a déjà longtemps que je suis parti, Circé. Du jour où mes compagnons se sont noyés. Et crois-tu que ton voyage sera plus long que le leur? Rien ne saurait me retenir. Attends au moins que je t'ai fait le cadeau qui te fera oublier tous tes regrets mesquins. La grande misère de ton règne et ta femme qui a vieilli. Si tu m'écoutes, si tu veux rester, l'Olympe connaîtra un nouveau dieu, Ulysse. Immortel. Voilà mon cadeau, le plus grand cadeau qui ait jamais été fait à un homme. Non. Le seul cadeau royal, c'est la vie. Qu'y a-t-il de plus beau que la naissance? Et vivre en homme jusqu'à la mort? Oui, vivre comme un homme. Cette créature de chair pétrie de peur. Seule la peur fait connaître la valeur du courage. Et la vieillesse, voir cette pauvre chair chaque jour se corrompre. Jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. C'est le seul, le terrible héritage des hommes. J'accepte leur sort avec joie. Qu'il est loin le temps où je ne pensais qu'à livrer des combats, où j'essayais de vaincre la fureur des flots. Je n'ai qu'une ambition. Respirer l'air frais de la nuit. Qui soudain refroidit le cœur. Et même si je n'avais été que ce corps vulnérable, pétri de peur, je resterais celui qui a combattu les dieux et qui n'a jamais été vaincu. Je voudrais que plus tard, si les hommes un jour parlent de moi, qu'ils en parlent avec orgueil et me considèrent comme un des leurs. Crois-tu que leur orgueil te servira quand tu iras dans le royaume des ombres? Songe que je t'offre des siècles de lumière. Crois-tu qu'il sera douloureux pour moi de clore mes yeux à l'instant de la mort? Et crois-tu que les morts jouissent d'une éternelle félicité? Agamemnon. Ajax. Achille, tous mes compagnons morts. Achille, dont le visage était sombre et triste. Mais quel autre visage peut avoir celui qui attend la mort? Tu devais l'attendre avec courage. Achille ne peut être que comblé d'honneur, comme un prince, comme un héros. Épargne-moi au moins des consolations, Ulysse. Je préférerais être un esclave éloigné de sa patrie, plutôt que d'être un héros au royaume des ombres. Ma vie a été brève et glorieuse, mais ma mort est longue et pesante. Ajax, j'ai tant souffert d'avoir contribué à ta mort. Que sais-tu, toi, de la douleur? Seuls les morts la connaissent. Viens, Ulysse. L'Olympe est un lieu de prédilection. Il faut que tu suives Circé. Ne m'a-t-on pas aimé jadis? Tout le monde aimait Agamemnon, tous, hors celle qui était ma vie. Souviens-toi que le jour de mon retour, elle m'embrassa, et pendant que je fermais les yeux dans un soupir de plaisir, surgit son amant qui enfonça son couteau dans ma gorge. Reste avec Circé, Ulysse. Viens.
Eurylock, venais-tu rester auprès de moi? J'aurais dû repeindre notre bateau cette nuit-là, Ulysse, au lieu de partir sans toi. As-tu souffert? Non. C'est maintenant que je souffre. Viens, Ulysse. Ulysse! Mère, c'est toi. Va, va-t'en! Qui a osé t'appeler? Mère. Vous aussi. Oui, morte, ton absence a été longue. Va, va-t'en d'ici! Ne te souviens-tu plus de nous, mon enfant? Si, mère. Retourne à Ithac. Pénélope espère toujours ton retour. La trahison et les pires dangers menacent ton royaume. J'y retournerai, mère. J'y retournerai. Mère! Mère! Oh, mortels entêtés. Fiers de ce brève songe qu'ils appellent la vie. Amoureux de leur faiblesse et de leur péché, et que fascinera toujours la mort. Contre une telle obstination, tous les dieux sont sans pouvoir. Va-t'en donc, si tel est ton désir. Tu peux t'en aller, tu peux partir. Le voilà! Le voilà! Alcinous, roi de Phéacie, j'ai hâte de parler un instant. Tout à coup a surgi mon passé, je me rappelle mon nom, les miens, ma patrie et ma noble origine. Je m'appelle Ulysse, fils de Laërte, roi d'Ithac et vainqueur de Troie. C'est du côté où naît l'aurore aux doigts de rose qu'est mon royaume. Et c'est là que m'attendent mon fils, ma femme. J'ai voyagé pendant plusieurs années poursuivi par la colère des dieux. Et par eux, chaque fois éloigné de mon royaume, maints désastres m'ont accablé. Et lutté contre la tempête, je n'ai plus d'amis. Ils ont péri, noyés. Je n'ai plus personne, je suis seul. Mais je suis vivant. Et aujourd'hui, je dois en toute hâte retourner chez les miens qui toujours m'attendent. Les besoins que tu me donnes, Alcinous, un de tes bateaux pour me ramener sans retard à Ithac. Ulysse, roi d'Ithac et notre voisin, nous te donnerons un navire. Et nous souhaitons qu'il te conduise heureusement jusqu'à ton royaume. Nausicaa. Je garderai toujours le souvenir de tes pleurs. De ce bel amour que donne la jeunesse. Et qu'auprès de toi, j'avais trouvé. Cette fois, les dieux ont été honorés. Apollon nous sera propice demain. Ben, espérons-le. Si je sors vainqueur des jeux, je dormirai dans le lit d'Ulysse. Et pour rendre grâce aux dieux de m'avoir accordé leur aide, je ferai gorger tous les chevaux de l'île. Tu es né pour gouverner, Eurymaque. Pour obtenir le trône, tu es disposé à détruire la terre entière en un jour. Doit-on envier le vainqueur? Veux-tu nous faire entendre que le royaume d'Ithac n'en vaut pas la peine? Le nouveau roi d'Ithac devra avoir un sommeil léger. Que veux-tu dire? Il lui faudra penser qu'il y aura des poignards derrière chaque colonne, du poison dans chaque coupe, des pièges à chacun de ses pas. Et en voilà des idées. Ulysse est au fond de la mer, à moins que son corps, par les flots rejetés sur le rivage, soit en train de pourrir sur une plage déserte. L'ombre d'Ulysse ne me trouble pas. À qui fais-tu allusion, alors? À Télémaque. Mais Télémaque est encore trop jeune. Avez-vous déjà regardé ses yeux? Et cela veut dire? Aussitôt les noces achevées, ce ne seront plus les boucs que l'on sacrifiera. Y avez-vous songé? Hein? Pénélope. Pardonne mon intrusion. J'avais besoin de te voir. Qu'as-tu à me dire? Je voudrais te rassurer. Tu es troublée, effrayée.
Et si triste aussi. Il faut que tu cesses d'avoir peur. Je suis sûr de t'apporter le bonheur. Toi. Comme je suis sûr demain d'être le vainqueur. Cela dépendra de ta bravoure. Mais j'avoue que je ne serais pas désespérée si je devais te choisir pour époux. Tu parles enfin comme une femme, non comme une ombre. La femme que je tiendrai dans mes bras. La femme que j'aime. Si vraiment tu m'aimes, Antinous, j'oserais te demander une promesse. Tes désirs seront des ordres. Elle t'est accordée d'avance. Tu sauveras mon fils. Télémaque. Il ne doit pas mourir. Je te promets qu'il ne lui sera fait aucun mal. Je le traiterai comme s'il était mon fils. Si je pouvais te croire. Tu peux me croire. Comme tu peux croire en mon amour. Je te le confie dès ce jour, Antinous. Pénélope, il y a là un mendiant qui vient de l'île de Phéacée. Il veut te parler d'Ulysse. Trop de gens depuis des années nous disent cela pour recevoir des présents en échange ou un jour d'hospitalité. Mais il dit qu'il était un compagnon d'Ulysse à la guerre. Si vraiment tu as connu mon mari, parle-moi de lui. Parle-moi de lui. Sais-tu où il est? J'étais le compagnon d'Ulysse. Nous avons combattu ensemble devant Troie. Et pendant nos longues heures de veille, dans l'attente des combats, c'est de toi qu'il parlait toujours. Et ce qu'il te disait, t'en souviens-tu? Oui, je crois l'entendre encore. Elle était si belle, avec de grands yeux candides et un doux rire de femme. Et sa longue chevelure de jais que pour dormir elle nattait, et cet air absent qu'elle avait quand elle prenait sa quenouille. Tout en veillant sur le sommeil de son fils. Il aimait à me parler aussi de son enfant, de Télémaque, qui suçait son pouce dans son berceau où il s'était endormi, le jour où ses navires partirent à la conquête de Troie. Il aimait à me parler de son départ, à évoquer l'instant de vos adieux. Avec quelle force il te serrait dans ses bras sur la plage, pressentant sa longue absence. Ne lui disais-tu pas? C'est ici que je viendrai attendre ton retour. Attendre son retour. Et souvent, souvent, il levait les yeux vers le ciel où les étoiles étincelaient. Au-dessus des hautes murailles de Troie, au-delà de la plaine, du côté de l'aurore, il te voyait attendre son retour. Dans sa maison filant de la laine, il revoyait votre chambre et ce grand lit où tu dormais seul. Ne l'ai-je pas déjà trop attendu? J'ai commencé par attendre des nouvelles de la guerre, de cette guerre qui n'en finissait jamais. Et puis les mois ont passé, puis les années. Combien de fois chaque jour me suis-je demandé, que fait-il? Est-il avec ses soldats? S'il vit encore, qui le retient loin de nous? Quelque autre beauté pleine de vie ardente? Peut-être m'a-t-il oublié déjà. Mais Pénélope lui restait fidèle. Et c'était facile pour Pénélope d'être fidèle. Et puis un jour est arrivée la nouvelle que la guerre était finie. Il allait revenir. Tous les autres guerriers étaient rentrés déjà. Les rois, les serviteurs. Mais lui, non. Lui seul avait retardé son retour. Et l'attente recommença, et avec elle, de nouveaux mois, de nouvelles années. Et les années sont faites de milliers d'heures, de jours et de nuits. De longues nuits où je restais éveillée dans ce lit qui fut le nôtre, à penser à lui. Tu as raison. Il est possible qu'à force de prolonger son absence, il rentre trop tard. Comprends-moi!
Je suis si lasse aujourd'hui. Si je t'ai parlé avec autant d'amertume, c'est parce que demain, il faudra que je choisisse un nouvel époux. Je suis comme une prisonnière, enchaînée à sa promesse. Et il n'y a personne qui puisse m'en délivrer. Peut-être pourras-tu t'en délivrer seule. Crois-tu? Et comment? Te souviens-tu du jour où toi et Ulysse se marièrent? Te rappelles-tu bien l'heure des jeux et comment la flèche de son arc en sifflant traversa les 12 haches alignées? Oui, je l'ai admiré ce jour-là. Cet arc était très difficile à manier, impossible à bander. Et seul Ulysse y parvenait avec l'aide de Minerve, la déesse. Je te saurai gré de tes conseils. Va dans la cour et demande qu'on te fasse préparer un lit. Si tu désires autre chose, tu peux le dire. Que puis-je désirer d'autre? Je ne souhaitais que voir ton visage et entendre tes paroles. Que ton sommeil soit tranquille. Merci, Pénélope. Bien changé. Tu te rappelles peut-être encore nos longues courses de l'aube au crépuscule. Quand nous allions chasser, tu flairais le gibier. Tu courais alors et sautais comme un écureuil. Et aujourd'hui, tu es si faible et ta tête paraît si lourde. Pourtant, tu as reconnu ton maître. Oui, tu es le seul dans cette maison à m'accueillir. Il te connaissait donc? Qui es-tu? Télémaque. Mon fils. Père! 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 On ne doit pas connaître mon retour. Jamais je n'attendrai. J'aurai tant de joie à les voir pâlir, à les voir trembler. Chut, ne dis rien. Non, non, il faut attendre. Pourquoi porter ces habits, père? Pourquoi entrer comme un étranger chez toi? En arrivant ici, j'ai eu un avertissement des dieux. Ils sont venus me conseiller la prudence. C'est ma mère. Elle est désespérée. Allons auprès d'elle, viens. Non. Il vaudrait mieux qu'elle ignore. Non, attendons à demain. Car je dois savoir si elle aime Ulysse. Autant qu'autrefois, autant que le jour de son départ, à l'heure des adieux. Laisse-moi boire le candé. Oui, mais assieds-toi. Et toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Comment es-tu entré? Ce n'est pas très difficile. Par l'entrée des serviteurs, les cuisines. Va-t'en, méfie-toi qu'on ne lâche sur toi les chiens. N'attends pas, va-t'en. Laisse-moi attendre au moins qu'il m'ait donné l'aumône. Va, va! Télémaque, crois-moi, ne fera aucune objection. Télémaque ne compte plus dans cette maison. Va-t'en! Laisse-le, le canté, il n'est pas gênant. Toi, approche. Viens donc. Ayez pitié, reconnaissez mon infortune. Ô nobles et illustres invités,
L'aumône, ayez pitié de mon infortune. Voilà l'occasion de t'adresser à ton noble défenseur, Télémaque. Il se peut qu'on l'oblige à quitter bientôt les lieux. Les mendiants ont toujours été très bien accueillis chez le victorieux Ulysse. Je devrais te châtier pour ton insolence. Toi, me châtier, il faudrait que tu sois le maître ici. Nous sommes, vous et moi, les hôtes d'Ulysse. Va-t'en, pourceau de malheur. Sors d'ici. Ayez pitié, vous qui êtes riche, de mon infortune. Voilà pour toi. Bois au vol. Appelez un serviteur pour qu'il achète d'or. Je vous remercie. Puissent les dieux un jour s'en souvenir. Tiens, prends ce pain et puis va-t'en. C'est toi le meilleur de tous, jeune homme. Je te conseille de partir. Il faut t'en aller avant qu'il ne soit trop tard. Mais que dis-tu? Tu perds la tête. Va, va, va-t'en. Tant que les jeux ne seront pas terminés, je serai chez moi. J'ai encore le droit de renvoyer et de chasser qui je veux de ces lieux. Télémaque a raison, Amphinoüs. Tu prends trop de liberté. Comme je suis heureux de te voir, Télémaque. Sais-tu pourquoi on a fait sortir ces haches? C'est une idée de la reine. Elle vous en parlera elle-même. Et où est la reine? Ne sois pas aussi impatient, Antinous. Elle est en train de se vêtir comme il se doit pour l'heure de ses noces. Si le cœur déborde d'amour, il ne reste aucune place pour la patience. C'est bien dit, Antinous. Les termes en sont les mieux choisis, c'est la vérité. La reine. Que les dieux te protègent. Ta beauté nous inonde de lumière. Ainsi que le soleil, elle brille de mille feux, Pénélope. Le jour des jeux est arrivé. Et si je me présente, c'est pour tenir ma parole. J'épouserai le vainqueur de ces jeux. J'ai attendu avec une grande anxiété la venue de ce jour. Pour vous, j'ai aujourd'hui choisi un jeu, oublié depuis bien des années. Voici l'arc d'Ulysse. Et j'épouserai celui qui, après avoir réussi à le tendre, traversera de ses flèches cette ligne de hache. Je ne le considère pas comme un jeu d'Apollon. Si tu ne crois pas réussir, je te donne la permission de te retirer à l'instant. Cette réflexion t'a fâché, Pénélope. J'accepte si tel est ton désir. Donne-moi l'arc. C'est moi qui, le premier, franchis le seuil de cette maison pour venir demander la main de Pénélope. Il est juste que ce soit moi qui sois le premier à tenter l'épreuve. Comme ça, tu pourras avoir tout de suite fini. Je n'arrive pas à le temps. C'est à moi d'essayer. C'est inutile d'insister, j'aime mieux y renoncer. Tu es gêné par ta graisse, Lyonnais. Il faut que cet arc soit maudit des dieux. À mon tour. Que peut-il avoir? Il est comme les autres. Apollon est offensé. Il a retiré toute la force de nos muscles. Comment Apollon t'enlèverait-il ce qu'il ne t'a jamais donné? Donne-moi cet arc. Prends les flèches. Dire, 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 voilà. Oh, dis, sorceler. Allez, dire. Force encore, Antinous. Pourtant, il déploie toute sa force, Pénélope, tu le vois. Il réussit, il réussit. Ce jeu de nous. Comme pour la tapisserie. Aucun doute. Je ne saurais accepter ce jeu. Cet arc est maudit des dieux. Pourquoi ne peut-on pas le tendre? Tu oublies que tu es lié par une promesse, Pénélope. Si la reine me le permet, j'essaierai aussi de tendre cet arc. Oh, un
mendiant qui ose défier les princes. Oh. Je serai toujours aussi adroit que vous. Quelle insolence! Oh. C'est incroyable! Vous entendez? Ce mendiant qui ose mesurer sa force avec nous. Pénélope, comment peux-tu accepter un gueux pour mari? Si je veux le faire, ma reine, ce n'est pas au titre de prétendant. J'ai déjà une femme. Si tu le désires, étranger, tu peux tenter cette épreuve. Oh non, c'est impossible. Oh, oui. Et il ne faut pas lui permettre, Pénélope. Refuse-lui, ce serait une offense pour nous. Quelle foufrenerie! Pourquoi nous humilier de la sorte? Où allez-vous-en? Allez, va-t'en, mendiant, la comédie a assez duré comme ça. Il a réussi. Méprisant de tous, le plus prétentieux, le plus arrogant, tu seras le premier servi aujourd'hui. Eumée, Eumée, quoi? Clésius, viens. Donne-moi une lance. Attention, attention. Non, Eurima. Attention, Clésius. Ils nous ont trahis. Maudit des dieux, Ulysse! Non! Non, Ulysse! Pitié! Aie pitié de moi! Trop tard, je t'avais averti. Je ne fais jamais de présent d'une vie une seconde fois. Ton destin s'accomplit. Oh! Attention, père! Athéna, je te remercie. Divine ou divine déesse, amie de la fidélité terrestre, toi qui as soutenu mon attente et protégé notre maison, sois remerciée de son retour. J'ai eu à subir de terribles épreuves, Télémaque. Mais aucune n'a été pour moi aussi terrible que celle d'apporter la mort dans ma maison le jour de mon retour. Cette épreuve t'a été imposée par les dieux. Que nos serviteurs purifient la salle commune avec le feu et puissent la vengeance des morts ne jamais retomber sur nous. Oh, père! Sa vengeance était juste, Athéna, mais terrible. L'Ulysse qui me serrait dans ses bras avant de partir pour la guerre était différent. Il n'était ni féroce, ni sanguinaire. Oh, je t'en supplie, Athéna, fais qu'il redevienne semblable à celui dont j'ai gardé l'image dans mon souvenir. Pénélope. Ulysse. Mon absence a été bien longue. Pourras-tu me la pardonner? Tu es de retour, enfin, pour toujours. Combien d'années de notre belle jeunesse ai-je laissé s'égarer dans la sauvagerie qu'apporte la guerre? Que de longues années à courir l'aventure qui ne laisse au cœur que des souvenirs amers. Tu es de retour. Je te promets de les rattraper, ces heures de bonheur perdues, et d'en jouir dans les années qui nous restent à vivre. Tu es de retour.